Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile! Tu parles trop! C'est terminé! Tu es pris au piège! Qu'est-ce que tu dis? Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue dans Resident Evil. V, bâton. Oh, je suis Ethan Castellanos. Pam, 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 pam. Et aujourd'hui, c'est l'épisode de la vengeance. Ils m'ont brisé mon bébé en plusieurs morceaux. Ils l'ont éparpillé façon puzzle. Et maintenant, il y a une fusil à pompe. Et spoiler, je vais sucer tout leur sang. C'est parti. C'est pour ça que j'ai un fusil à pompe. Allons-y. Ah oui, c'est vrai. Souvenons-nous de l'histoire. On avait parlé au gros et le gros était là. Oui, ton bébé, il est éparpillé façon puzzle un peu partout. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je m'excuse. Éparpillé façon puzzle un peu partout. Voilà, j'ai deux morceaux de bocaux. Ah oui, parce que j'ai volé les bras aussi. À l'autre débile qui était là, non, fais pas ça, ils vont me considérer comme un débile. Moi j'étais là, lol, tu es un débile, eres un imbécile. Puis je me suis téléporté, sauf que c'était moi l'imbécile depuis le début, puisque je me suis fait bêtement avoir par son stratagème qui était de m'apitoyer sur son sort. Ah là là, il a fait une erreur que je n'aurais jamais dû faire, il me suis apitoyé sur le sort de quelqu'un de laid. C'est terrible, terrible, terrible. Et du coup, j'en paie le prix fort. Puisque je suis obligé de passer par le moulin. Et je pensais que... Ah d'accord, c'est celui-là. Parce que moi je pensais que le moulin était en bon état. Mais quand je voyais celui-là, il était un peu déglingué. Alors que celui-ci, voilà, c'est pour ça. Il y a des gens qui jouent, excusez-moi, attendez. Hop. Voilà. Pardon. Donc, progressons. Bonjour. Olé. Hola. Oh là là, il m'a fait rater ça! Honteux! Absolument honteux. Bon. Tant pis. Après tout, les balles sont faites pour être utilisées. Allons-y. Progressons. Voyez voir la map. Excuse-moi parce que j'ai le micro. J'ai le câble du micro juste devant moi. Voilà. C'est bon, je suis replacé. Impeccable. Ok. Voyons voir à l'intérieur. Oh. Laisse la clé du bateau dans la cabane au fond de la mine. Hans est mort et je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête la pêche pour le moment. Sa mort n'était pas un accident. Le pauvre s'est fait bouffer par un poisson géant, lui et son bateau. Ah, une poisson géant. Ce jeu ne se cache même plus d'être Resident Evil 4. Catastrophe. Oh, j'ai pas besoin d'utiliser le couteau. Il le fait tout seul. Ah, le coffre. C'est vrai que je peux pas l'atteindre. Quel enfer. Mais normalement, il est récupéré. La clé du bateau. Fort heureusement, absolument tout est écrit en anglais au milieu de la Roumanie. Hein, je rappelle qu'il est une région du sud-est de la Lituanie et de la Laponie. Allons-y. It's a small world. La 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 la. C'est pas vraiment comme ça à Disneyland. Oh! C'était quoi? Miséricorde! Hey! Pim 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 pim! La priorité à droite! Cabron! Putain. Je vous jure. Si jamais il m'avait reflé la peinture de mon bateau, l'assurance ne m'aurait jamais lâché. Je peux pas là? Mais il y a le coffre! Mais laissez-moi passer, pour l'amour! Non! Bon, c'est pas grave. Oh! Oh! C'est un barrage ou une écluse? Ou juste un pont? Peut-être une écluse. Des écluses aussi grosses, c'est ouf. Bon, des écluses aussi grosses, ça existe. Ouais, mais en Roumanie.
Genre, ils ont le budget pour ça? Enfin. Bob, techniquement, il était à droite, donc il avait la priorité. On est en Roumanie. En Roumanie, celui qui a la priorité, c'est celui qui a l'arme à feu. Ok, très bien. Ça passe? C'est quoi tout ça? Maqué. On dirait un poste de surveillance. Une installation de streaming. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Des tentacules. Ah, c'est la cachette à Belle Delphine. Arrière. Lâchez-moi. Reste à terre, putain. Vous avez de beaux yeux, vous Ethan, savez. Je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris. Bien sûr. T'as tué Mia. Alors bique-moi, finis le boulot! Mon bébé était éparpillé dans tous ces putains de villages, c'est un peu tard pour pas vous mêler en fumier! Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif, mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps, et Miranda le sait. Hein? Hey! Vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan, vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Et en dehors de... Attention! Esquive! Miséricorde! Voilà ce qui arrive quand on jette Bubule dans les toilettes! Merde! Approche pas! Arrière, tu es trop mal animé pour moi, arrière! Toi, la sortie est sous l'eau. T'es foutu! J'ai pas le temps, là! C'est trop tard. Miranda, prépare déjà la cérémonie. Miranda, t'en veux pour me ralentir? Tu fais pitié. Dis pas ça. C'est pas juste. Je devrais être avec elle, pas toi. Mais de quoi tu parles? Mes pompes! Putain, mais c'est quoi ton problème? Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. En pensant... Pourquoi? Ah! Miséricorde, eh ben c'est ça l'adolescence. Ah, je vois, ça va être un problème. Très bien. Bon. Tout ceci va être un problème. Oh là là. Je ne sais pas ce qu'il y a fait, mais je suis sûr que ce sera utile. Et maintenant, je fais quoi? On continue le scénario Capcom, bien évidemment. Et maintenant, je fais quoi? Tu te remets dans le truc de... Tu te remets dans le chariot du Père Noël et t'avances, frère. Viens voir. Il a dit que la sortie était sous l'eau. Madre de Dios, comme une poisson dans l'eau. Au moins, il a l'air de s'enjailler, hein. Je veux pas parler mal et... Aha! Si j'arrive à vider cette eau... Merde, y a pas de courant. Chier. Rétablir le courant.
Un papier. Ouais, certes. Un seau. Non, c'est un pot de peinture vide. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses ici? Non, pas d'objets. Qu'est-ce que... Instructions pour l'utilisation des vannes. Lorsque de fortes pluies menacent la zone de pêche, il est conseillé d'évacuer le trop-plein d'eau en suivant les étapes ci-dessous. 1. Actionner les moulins à vent à l'aide d'une manivelle pour avoir du courant dans le poste de garde. 2. Tirer le levier. Putain, c'est imbécile proof. Très bien, donc là c'est les chiottes où je me trouve. Électricité, moulin, 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 moulin. Il y a 4 moulins. Ouais, 1, 2, 3 moulins. Très bien. Plus un gros poisson, ok. Actionner la manivelle, très bien. Activer l'électricité. C'est terriblement précis. Dire, même le mec de Roumain, là, en exemple, il a un béret, c'est stylé ou pas? Donc là, il y a une écluse. Effectivement. Bon. Qu'est-ce que... Mais... Vas-y. Voilà. Donc. Bienvenue, Ethan. À la question comment il est entré? J'ai du nouveau en stock. Je ne sais pas. Mais voilà. Très bien. Donc, ça, c'est les deux armes qu'on avait. Ça, c'est les améliorations qu'on avait. Il ne vend absolument plus rien d'autre. J'ai tout acheté. À part les chargeurs et les choses. Très bien. Donc, tu dis que tu as du nouveau en stock, mais tu n'as rien d'autre en stock, en fait. Tu peux vendre? Fragment de cristal, c'est gratuit. Ah. Crâne cristal, c'est parfait, c'est gratuit. Collier incomplet, on garde. Volaille, je garde. Poisson, j'ai mis... Oui, je garde tout. Très bien. Obtenir de la marchandise est plus important. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, très bien. J'ai cru entendre... J'ai cru entendre une biquette. Sur ma gauche. J'ai vu une chèvre. Où est-ce qu'elle est? Puis je suis persuadé d'avoir eu une chèvre en face de moi, si tu veux. À un moment. Est-ce que j'ai regardé une chèvre et je l'ai pas tuée? Est-ce que je suis débile à ce point? Ou est-ce que c'est lui qui fait du bruit avec ces machins choses là? Tant pis, pas de biquette, avance. Non, pardon, pas là. Là-bas. Je suis persuadé qu'il y a une biquette. En plus, je me suis perdu. Attendez, c'est par là? C'est par là. Tant pis, pas de biquette. Qu'est-ce que... Cette manivelle est dans un sale état. Quand je l'utilise, j'ai toujours peur qu'elle me reste dans les mains. Faudrait pas que ça arrive, parce que la seule qui nous reste est au niveau du deuxième moulin. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Je vais donc... Des poules! Je vais donc trouver la deuxième manivelle, m'en servir, la briser, devoir aller chercher la première manivelle, et finir ce que j'avais commencé. N'est-ce pas, Capcom? Poulet! Voilà, très bien. Oh! Petit cristal, moins cher que gratuit. Petite ferraille, pratique. Texture dégueulasse. Il faut oser dire les vérités vraies. J'entends. J'entends le loup, le renard et la biquette. Yanta le loup et la biquette chanter. Où est-elle? De l'autre côté, sans doute. Faisons tout. La biquette! Tout est fini, biquette! Rends-toi! Voilà. Très bien. Excellent.
Rechargeons toutes les armes, tout est rechargé. Ah, on peut entrer. Avant d'activer ça, en fait, je vous désire rentrer. Et là, il y a une échelle. Ok. C'est juste pour vérifier. Très bien. Allons-y. Haha, c'est l'heure d'avoir le tour demain. Allez. Pédale. Et voilà. Putain, j'y crois pas. Merci, Capcom. Très bien. Merci, Capcom. Non, c'est une brique. Y'a rien au plafond. Rien qui brille. Très bien. Q-Win. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. La paille. Ah! Tout ceci, me paraît terriblement peu conseillé. Allons-y. Ah. Ouh, des balles. Eh bien, si j'étais encore là, je suis mort. Moi, il est sympa, hein. Il ne fait pas tomber les plaques. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, il joue. Là. Hop. Là, il y a une caisse. Ça passe pas, sens unique. Par là. Allez, pousse! Un chariot à la mer! Très bien. Il a l'air de se hyper, mais il a l'air calme. Hop. Ah. Mais c'est dégueulasse! Mais c'est dégueulasse! Enfin, ça schlingue. Il y a eu des fromages un peu pires. Pour ceux qui savent ce qu'est le foujou. Juteux. Attends. C'est... Mais ces plateformes, elles sont sur timer ? Capcom. Il faut vraiment que t'ailles parler à quelqu'un. Oh, des munitions de Magnum. Mais ça veut dire que j'ai raté le Magnum. Malédiction. D'accord, je vois. Tiens, pas beaucoup. Allez, tiens le coup. Ah là, ça y est, on y est. Ça passe. Oh.
Tu essayes de m'intimider, mais ça ne marche pas. Ça se discute. Je vais passer, ça veut dire que va jouer au timing. Voilà. Regardez-moi ! D'abord ! Voilà, très bien. Ouh, la belle ! C'est vrai ! La prochaine fois, maman ! Ne t'en fais pas, Viri, je vais te sauver ! Saute, Viri, saute ! Chariot donné, on ne regarde pas l'état. Récupère les balles. Oh non, c'est dégueulasse. Arrière, arrière, arrière. Ah. Ça passe et ça passe. Oui, bien, oui, bien, pas où je passe là. Dieu que tout ceci est pratique quand même, hein? Bonne pêche, on dirait. Je dirais même plus. Bonne pêche. Je reste là. Ah, miséricorde. Touché. Coulé. Bah alors. Coulé. J'aurais pu y aller au couteau quand même. Oh ça va, fais pas ta saline. Il fait semblant d'attaquer l'endroit. La manivelle! Excellent, voilà qui va débloquer tout le reste du monde. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Très bien. Muy bien! Muy bien! On respire. D'un seul bras. Et ya. Raté. Quand même, hein. Polochon de la petite sirène, il a mal tourné, hein. Ça fait ça, le hentai. Ah, mais je suis revenu au point de départ. Fantastique. Excellent. Ok. Muy bien. L'électricidad, la energía. Tout ceci est absolument instable. Très bien. Je peux tomber là? Non.
Ah oui, ça mouline. Oh, ça pédale. Oh, ça tourne. Oh, ça fait ronron. Police! Personne. Police! Un obèse. Avec un cigare. Très bien. Bleu-bleu, rouge, bleu-bleu. Très bien. Ah. Petite astuce, vous pouvez régler le dessin comme vous le voyez en haut à droite, regardez. Parce qu'en fait, il est mal orienté, il devrait être orienté... Non, l'autre sens. Arrête de te masturber, Ernestin. Bon. De toute façon, on te l'a dit, hein. Le docteur, il a dit, tu la vois plus. C'est pas ta bite, c'est une bourrelée. Bon. Bref, vous pouvez... tourner le dessin et le gérer comme ça, avec le carré noir. Ou vous pouvez aussi regarder les petites lumières qu'il y a juste au-dessus et qui s'allument, vous voyez, tout en haut. Et qui vous disent quand une case est la bonne et quand une case n'est pas la bonne. Ce que je viens de faire, en fait. Histoire de no brain. Et voilà! Avec ce coup de l'écluse, il va passer à l'épuisette. Super. Alors, elle est bonne en coulée, hein? T'as pied? T'as pied. Une petite pensée pour la nature, les villages, bref, tout ce qui vit en contrebas, qui va se prendre 140 milliards de litres d'eau. Eh bien, ça c'est une écluse, hein? La dernière fois que j'ai vu un tel débit d'eau, c'était dans des JAV. Son corps est en pleine croissance. Il lui faut de l'eau. Alors, question ? Question. Ah, et du corail et tout. Premier octobre, il fait beau. Mère Miranda m'a apporté 5 villageois, comme je lui avais demandé. Je les ai endormis avec un liquide, puis je leur ai mis le cadeau dans le ventre. J'ai hâte de voir le cadeau grandir dans leur bide. Deuxième octobre, il y a des nuages. 4 des villageois sont morts ce matin. Il y en a un qui est presque devenu un lican, alors je l'ai envoyé à mon labo dans la montagne. J'ai encore raté. Maman, elle veut des enveloppes plus fortes. Moi, j'en trouve aucune. Il me faut plus de villageois. Oh, je voulais le magnum, mais... Hey, il faut résister. Il faut résister à l'envie de le mettre. Parce que je suis sûr qu'à la seconde où je vais le faire... Ça va recharger mon flingue. Ils viennent. Oui, bien. Capcom, y était-vous à venir à 10 km? Oui, bien. Capcom. C'est toi de fier, maman. Regarde-moi. Oh, miséricorde. J'ai pas le choix. Très bien. Je m'en doutais. Ha 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 ha!
Miam! Full chargeur! Pas de panique, il m'en reste une. Ouch, 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 ouch. Oui, la paye. La fuite. Si à cause de toi, si maman ne t'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a des sangs blessés. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai fondu. J'ai fondu. Je me disais quand j'ai vu des trucs jaunes avec des toits et quand j'ai vu qu'il m'a vomi de l'acide, je me disais qu'il se passait un truc du genre. Mais j'ai fondu. Yé fondu. Bon, c'est pas grave. Yé fondu, c'était la fondue. Bon, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Ce coup-ci, on a toutes nos chances. Ce qu'il faut, c'est se préparer en conséquence. Très bien. Ok, pas de panique. Plan B. Plan B. Plan B. Pas de panique. Il est là. Allez, il recommence. Hop. Ah, ça s'est arrêté. L'inverse s'est calmé, excellent. Où est-ce qu'il va? Mais le professeur a dit...
Le design plastique pourrait améliorer. Tout va bien. Faut que je m'abrite. Misericorde. Ah! Bon. Personnellement, j'ai toujours préféré les paella au curry. C'est vrai que j'ai toujours pas rechargé avec ça. Oh, mais j'ai ça aussi. Ça marche, ça. C'est pas juste. Mais non, n'est pas juste, mon petit Timmy. Ça brûle. Et donc, il a pris un tir. Il a pris un tir d'obusier dans la gueule et il a pas réagi. Là. Très bien, on discute. Allez. Oui bien. Cassé à la poêle. Il aura été dégueulasse jusqu'au bout. Ethan et ses one-liners absolument massacreurs. Ouh, full chargeur. Voilà, bah, le pistolet s'est réparé tout seul. Très bien. Fiou, victoire. Bon, et bien plus qu'à nettoyer l'endroit. Et à récupérer absolument tout ce qu'on pouvait récupérer. Bon, somme toute, un combat de boss, à part la pluie acide qui m'a pris de surprise. J'ai compris que trop tard, en fait. Pourquoi, en fait, quand je le voyais vomir, j'étais là, ah, mais c'est marrant, il me vise pas. Il me vise pas du tout, en fait. Il me visait pas du tout. Et quand je l'ai vu vomir et que j'ai vu que ça me faisait des dégâts, j'étais, ah, merde, ouais, d'accord. D'accord. Parce que j'ai pris une attaque bêtement. C'est ma faute, c'est la vie, c'est ainsi. Très bien. Par où puis-je partir? Ça me dit qu'il y a un trésor. Arme cachée de Moro. Intéressant. Et là... Ok. Très bien. Par là? Par là ça compte? Ça a l'air d'être par là. La sortie était un peu plus loin. Ouh! En tout cas, je suis plutôt fier de nous. C'est un boss et on en sort avec des chargeurs pleins à l'infini, des balles à plus savoir quoi en foutre, une balle de magnum, mais ça je m'en remets pas. Voilà. Malheureusement pas de munitions de lance-grenade. Ce serait peut-être intéressant d'en confectionner au moins une. Grenade aveuglante, grenade explosive. Ah, ça me claquerait ma dernière plante et poudre noire. Un peu risqué, hein. Un peu risqué, Jean-Baptiste. Bien en faire un peu. Ouais, ça me claque mes plantes. On verra. On verra lequel sera le plus prioritaire selon le taux de panique. Très bien.
Attendez. Ok. Le trésor que j'avais pas accédé devrait être par ici, hein, on est d'accord. Hein. Il est environ vers là. Si je me trompe pas. À peu près. Munition des fusils sniper. Il y a encore des choses à récupérer. Super. J'ai la clé? Mais oui! Une clé entourée de 6 ailes! Oh! Oh! La cabane à Moreau! Eh mais... Ma, qu'est-ce que c'est ça, hein? Cadou. Ce truc est vivant? Oula cadou, la cadou, la cadou. Merci, Zazie. Oh oh! Muy bien! Fusionne! Et voilà! La clé fœtus a 6... Je t'ai peut-être sous-estimé. C'est qui? Oh, arrête. On s'est vu tout à l'heure. Enfin, peu importe. Ouais, t'es le dernier enfoiré sur ma route, c'est ça? Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les 4 bocaux? Où tu veux en venir? De la colle, beaucoup de colle. Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer? On ne fait pas trop le malin. Je te tuerais si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Fais ça et tu auras mon respect. D'abord, retourne au cimetière. Ouais, pauvre connard. Mère Miranda m'a donné un bocal de rose. Comme tout le monde est méchant avec moi, je pensais qu'on me le laisserait de côté. Mais Heisenberg a dit qu'on devait tous être là pour que la cérémonie ait lieu et que c'était pour ça qu'on avait tous un bout de rose. Maman avait l'air de s'en ficher, par contre. Alors attendez, les vraies voix. Maman a dit que Rose était une enveloppe. Avec une enveloppe, elle va pouvoir récupérer sa vraie fille, même si elle est morte depuis longtemps. Mais si elle y arrive, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je ne suis pas son vrai enfant. Est-ce qu'elle va m'abandonner? Non, je veux pas. Non, 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 non. Très bien. Mais Ouah, le saucisson! Bouc, bouc, bouc. Oh là 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 là. Ouah, il a un petit feu et tout. Mais il était bien installé. Oh, double. Il était bien installé, Moreau, en fait. Bon, à part ça. Ça, vraiment... What the fuck is this? Oui, bien. Ok, très bien. Et le fromage! Oh, il s'est mis bien! Oh là 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 là! Puis directement au couteau, hein! Je regrette parce que Moreau, c'était un vrai, quelque part. Moreau, c'était un vrai frère. Fais-tu ça, c'est ça? Petit frampton. C'est français ici, hein. Ouais. D'accord. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Donc maintenant, il faut que je retourne au bateau. Personne, très bien. Ils essaient de me faire peur. Mais en vrai, il n'y a rien, ni personne. Et ils disaient de mettre le cadou dans le corps des villageois pour les transformer en lycans. Absolument. Absolument, absolument. Mais on a bien compris que le cadou, c'était un mélange entre la moisissure, le truc du 7 et les parasites, la splagasse. Hein. Moi, je le vois venir à des kilomètres. Hein. Peut-être des plagasses de moisissure, ce serait ouf. Très bien. Le bateau est revenu. Ah! Comment? Ma kémé. Aha! Muy bien! J'entends une biquette! La biquette!
Impeccable. Berk, berk, berk. Une ange, un ange en argent. Stylé. Pas de poisson là? Non. En même temps, avec l'autre connard qui a ses. Reflux acides dans le lac. À mon avis, côté poisson, il en reste pas grand chose. Hein. Oui. Ok, très bien. Excellent. Il y avait une grotte. Comment ça, il y avait une grotte? Moi, je les vois pas, les poissons. Il y avait une grotte derrière le trésor. Info chat. Info chat. Excusez-moi. C'est, ça arrive. Même pour vous qui regardez les épisodes sur YouTube, il faut parce que c'est le chat. Info chat. Voilà. Et des poissons, ça dit. Où ça? Là, ça bouge. Bon. Voilà. Pour le beau. Deux poissons. Voilà. Voilà, parfait. Plus de poissons. C'est bon, je les ai tous eus. Ouais, je les ai tous eus. Fantastique. Bon. Il y avait peut-être pas de grotte, mais il y avait du poisson. Je suis content. Une seconde. Vamos a penetrar. Bébé. Merde, j'essaie de recharger mon couteau, moi. Très bien. Ok, le trésor, il est pas accessible, j'ai l'impression. Porte en mécanique, labyrinthe. Un labyrinthe, Nani. On peut y accéder ou pas? Faut que je prenne l'ascenseur tout de suite ou... Labyrinthe. Alors attendez. Question du coup. Vous me dites j'ai loupé un poisson. Mais non, parce que regardez, il y a la croix, donc ça dit que j'ai bien tué tous les poissons. Il y en avait deux. On est d'accord. Et en fait, comment ça un labyrinthe? Où est-ce qu'on prend le labyrinthe? Labyrinthe, c'est la boule, d'accord? Ok, on est d'accord que j'ai tout pris là du coup. Parce que j'ai complètement vidé l'endroit, j'ai tué les poulets, j'ai récupéré tous les poissons, j'ai vidé l'endroit, je veux pas parler, mais j'ai vidé la place quand même, si. Tu peux prendre l'ascenseur. D'accord, merci beaucoup. Enfin. C'est ça comme réponse que je voulais. Accessoirement, est-ce que j'ai la boule? Non. Oh, stylé. C'est sûr, j'ai la boule. Voilà. C'est pas grave. Chers amis, alors. On peut prendre l'ascenseur, on a bel et bien tout vidé. Je suis content de dire que dans ce playthrough de Resident Evil 8, V, bâton, 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 nous avons
tout vider. On a vidé l'entièreté de tout ce qui s'y trouvait. Les poulets, les poissons, tout. Voilà. Allons-y.